parlé de culture ou quoi, je te parle de foot. Maintenant j'ai. Et tu vas regarder les médias anglais quand tu vois ça. T'as vu les médias des autres pays quand tu vois ça aussi. Mais attends, Adama, tu l'as dit.
pense que tu l'as pris comme ça. Parce que j'ai peut-être écouté ça au niveau de qu'on a fait un peu un paquet, c'est ça qui a fait cette conversation. Et c'est pas que je voulais regarder pour toi. Parce que le tard, nous sommes en fait,
mais attends, moi, j'ai entendu, c'est vrai que j'ai entendu qu'elle était dans une fosse en ligne. Je sais pas ce qu'elle est. Next stop is 94th Street in LaGuardia. C'est pour ça que je bug en fait. C'est ça que je bug. Il m'a dit enlève-moi ce nom là, tu vois.
mets un nom plus simple, tout ça, machin. En fait, quand elle a dit ça dans les commentaires, c'est pas facile. La personne dit, putain, on te soutenait, sœur congolaise. Et là, tu dis nom de blédard, tu parles pas de tes origines comme ça. Et tu connais les pas d'Africains 3.0, là. Tu vois, qui sont machin et tout. Parce que tu vois, Adama. Parce que tu vois, Adama. La meuf, elle fait beaucoup de trucs pour la communauté. Et commencez pas à taper sur les doigts pour un truc de merde comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu sais que le mot blédard, c'est péjoratif. C'est que quelqu'un qui est là a repris ça. Et c'est une enfant tranquille. Tu vois, non? Et moi, j'ai dit à mon frère. Hein. J'ai dit à mon frère. Dis à ta pote, franchement. Moi, si c'était moi, je l'aurais conseillé, je l'aurais dit de ne pas dire ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le panafricanisme, c'est devenu un amour. Tu vois, t'as plein de gens qui sont même pas panafricains, mais qui veulent dire qu'ils sont panafricains juste en fait parce que c'est un amour. Parce qu'il y a un black panther, parce qu'il y a un phobite, parce qu'il y a le black love et tout ça, tout ça. Donc j'ai dit, elle n'aurait pas dû dire ça. Tu vois. Donc, bizarrement, l'interview a été retirée de la page de nos films. Tu vois, non, parce que je la connais. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que je sais les actions qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait pour le Congo, c'est une dinguerie. Mais renseigne-toi. C'est comme Booba, les gens ils disent que Booba ne fait rien pour la communauté. Il pense qu'à sa gueule, alors que c'est le rappeur qui met plus d'argent.